Bonjour et bienvenue. Oh, so cold. No. What the fuck? What? Vous voyez ce que je vois ou quoi là? Ok. Donc apparemment la dernière fois on s'était... La dernière fois on était dans le froid. J'étais trop avancé en fait. Je pensais qu'on aurait assez chaud jusqu'à la fin de notre sommeil, mais en fait non. Donc on a eu un peu froid, on a perdu un peu de vie, c'est pas très grave. La dernière fois on a eu des trucs bizarres, depuis il n'y a toujours pas eu de mise à jour. Aujourd'hui, on a encore des trucs bizarres. Bienvenue dans The Long Dark, où les gens ne savent pas très bien coder, mais ils continuent à faire des choses. Et ça finit toujours mal pour nous, évidemment. Ah, donc, ouais. Donc là, on a un fantôme ours. Donc, on va se... La dernière fois, on avait eu un loup fantôme, ou loup zombie, comme vous voulez. Et maintenant, on a un ours fantôme. Donc... C'est cool. Je sais pas quoi faire de ce jeu, honnêtement. En tout cas, on va regarder un peu notre poids. On est à 33, donc on a les carcasses d'oiseaux qu'il faudrait prendre. On a la fourrure qu'il faudrait prendre. On va récupérer ça. Ok, très bien. Donc, nous, on est là. Donc, pour revenir, pour remonter, c'est par ici. Je sais pas si on peut... Je sais qu'on peut descendre, mais je sais pas si on peut remonter. À la limite, on peut passer par ici. C'est pas très, 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 très grave. J'ai envie de faire une pause et de... Et d'aller sur le forum, encore une fois, et montrer les bugs de ce jeu, parce que ça me rend fou. Donc, ouais. Qu'est-ce que je fais? Je fais une pause et je vais poster mes bugs. Je fais une pause, je reviens. Ok, donc on est de retour. J'ai dû prendre... En fait, ce que vous voyez là, c'est le même ours. Celui qui est par terre et celui qui est debout, c'est le même ours. Donc j'ai dû essayer de timer en fait les screenshots. Et en avoir un debout et en avoir un couché. Donc ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Je pensais qu'il y avait celui du bas qui était toujours affiché, mais en fait non. Mais vu que ça va tellement vite, pour nous, c'est comme s'il y en avait un tout le temps. Enfin bref, je suis allé poster, il y a plein de gens qui ont plein de problèmes. Aussi par contre, un truc très intéressant que quelqu'un en a parlé, du coup, ce sont les... vous savez, le sac de couchage, il est plus en raccourci. La dernière fois, j'en avais déjà parlé dans l'épisode précédent. Et ben là, du coup, vous pouvez plus en fait utiliser les sacs de couchage pour dormir dans différents endroits, c'est-à-dire genre les voitures, les hélicoptères, ou alors les igloos par exemple. Pareil, dans les igloos, vous pouvez en théorie utiliser le sac de couchage plus la chaleur de l'igloo, et là vous pouvez plus parce qu'il n'y a plus le sac de couchage en fait en raccourci. En tout cas, je crois, c'est ce que les gens ont dit, donc ouais, c'est fun quoi, c'est fun, c'est vraiment, vraiment fun. Le jeu est complètement broken, c'est magnifique. En tout cas, on va passer un peu de temps, on va essayer de trouver des nouvelles choses et tout ça. Le bruit de l'ours me rend complètement cinglé. Fais voir un peu le poids. Si je fais ça, on est à 40, 38. Est-ce qu'on a de la nourriture? Est-ce qu'on a mangé? On va faire ça. Deux steaks. Très bien. On est à 40 kilos. On va faire ça. Ouais, on va prendre tout sur nous, je pense. Et on va prendre de l'eau, on en a ou pas?
Ok. Par contre, pour la viande, bah, on va tout prendre sur nous. Ça fait beaucoup, en fait. Je suis en train de me demander si on va pas... placer. Ah oui, placer ça, ok. Si on va pas déposer les choses, en fait, vers la grotte pour partir. Vous vous rappelez? Vers la grotte, en fait, pour partir. Et peut-être, en fait, baliser le chemin et tout ça. Comme ça, on peut se repérer plus facilement. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça et après on va revenir ici et un peu refouiller le chemin. Alors en théorie, pour remonter, pour repartir de la zone, c'est par là, je crois bien. C'est quoi? C'est un cerf. C'est par là normalement, donc on va aller voir ça. On va un peu se fatiguer pour pouvoir dormir en fait assez tôt. Comme ça on va pouvoir récupérer la vie. Il y avait tellement de bugs la dernière fois que ça a failli me coûter la vie en fait au final. En dormant trop vite et tout ça. C'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment, vraiment une catastrophe. Mais bon, c'est comme ça. C'est Interland, yay. Ah, il fatigue, hein, il fatigue. Il fatigue énormément. Ok, on a des lapins là-bas. On va sûrement attirer beaucoup d'ours. Pas d'ours, les ours ils s'en foutent. Mais on va sûrement attirer beaucoup de loups, mais bon, c'est pas très grave, on va se débrouiller. Ok. Alors je voudrais dessiner là. J'aime beaucoup les gens qui sont extrêmement heureux à chaque fois quand il y a des mises à jour de Interland. Les gens ils connaissent pas. Hein. Vous regardez les Steam, le forum, c'est genre oh putain c'est super bien les mises à jour, c'est trop bien. Puis après, genre quelques heures après, on commence à avoir les gens qui parlent de bugs. Eh ouais, toujours comme ça. Alors est-ce qu'on dessine maintenant? Je pense qu'on va dessiner maintenant. Je sais qu'on va avoir un peu froid au bout d'un moment. Mais... Ok, on a un cadavre qui doit être juste là-bas, je me rappelle. C'est so cold. I just want to lay down for a bit. Ok. Donc là, on est à la sortie. Bon, c'est un peu loin, encore une fois, mais ce qu'on va faire, c'est à la limite, c'est vu qu'on a beaucoup de calories et d'eau, qu'on va rentrer dans la grotte, on va directement dormir quelques heures pour se remettre un peu de vie et se réchauffer. On va faire ça. C'est juste à droite. Mais ouais. Et là, je suis en train de faire, j'avoue, je suis en train de faire un peu les épisodes d'affilée parce que je voudrais vraiment finir avec cette zone-là. Donc mon but, c'est vraiment de finir la cache. La cache, c'est pour ça qu'on est là. Et après, un peu de se balader dans la zone, essayer de récupérer le plus de choses possible. Donc en théorie, rien de méchant devrait se produire pour nous. On ne devrait pas genre avoir un risque de mourir ou un truc comme ça. Je pense que ça devrait aller. Et voilà. Mais voilà, c'est un peu la peur que j'ai que ça merde des choses. Mais en théorie, ça devrait aller. Même s'il y a beaucoup de glitch et tout ça, tant qu'on meurt pas, on est bon. Donc on a ça. Je voudrais déposer aussi... Alors je pense que je voudrais déposer la viande. Je crois... Je pense que je voudrais déposer la viande. Et on va garder les tourterelles en fait sur nous. Je pense. La viande, on va pas la cuire et tout ça. Je voudrais la récupérer en fait pour partir.
Ça, par contre, on va les garder sur nous, parce que j'ai peur que ça disparaisse si ça reste par terre. J'ai vraiment des peurs, en fait, que les objets, en fait, disparaissent. En théorie, ça m'étonnerait, hein. Ah oui, putain, c'est vrai que c'est pas en raccourci, putain. Il y a énormément de gens qui ont eu peur. Ils pensaient qu'ils avaient perdu leur, leur matelas. Ou qu'ils l'avaient oublié. Ok, on va dormir 3 heures. Histoire de récupérer un peu de vie et tout ça, et de d'être bon. Ok, très bien. Ah, c'est vraiment con d'avoir perdu de la vie. Hein. Tout ça parce que je suis allé un peu trop vite. Aussi, je crois que l'inventaire est complètement... Je sais pas, c'est pas le même ordre qu'avant, c'est très bizarre. Ah oui, on a ça aussi. Alors, attendez. Le vêtement, là. C'est vrai qu'on avait récupéré ça. On va le mettre là. On va le prendre avec nous aussi. On le ramènera à Milton. Alors, ça. Très bien. Donc, la viande, je crois qu'on va la laisser à l'extérieur. La viande, en fait, c'est le moins important des pigeons. Parce que, bon, on peut faire des plats. J'ai vu, je sais. Mais c'est pas très, très grave. Voilà. Bon, par contre, ces trucs-là augmentent notre odeur. Donc, on va se faire agresser. Attendez, par contre, je voudrais savoir si on peut pas... On va se réchauffer après, encore une fois. Ok, très bien. On va se réchauffer encore une fois. Oui, ce que je voulais dire, c'est que... les oiseaux, la viande d'oiseau, c'est pas le... plus important, parce que ça sert seulement à faire des plats. Les plats, on pourra les refaire plus tard. Le plus important, c'est le plumage. Le plumage, ça par contre, il faut le récupérer, il faut le garder, parce qu'on en a besoin pour pas mal de petites choses. Donc je voudrais vraiment le garder. Et j'ai peur que ça disparaisse, parce que les carcasses, elles disparaissent en théorie. Donc est-ce que ça va pas être disparaître ou se faire bouffer par un truc? J'en sais strictement rien. Mais j'ai pas envie de tenter le diable. J'ai pas envie de tenter le diable. Donc du coup on les garde sur nous, c'est pas grave. Ça pèse pas lourd, c'est juste que ça pue la barbaque. On est à 3. On est à 3 sur 3. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Donc voilà, si jamais on se fait bouffer la viande, c'est pas grave. Donc on a une tempête, ce qui est pas vraiment le plus fun. Fun. Par contre, on va aller voir le cadavre qui est sur le côté droit, voir si on l'avait looté déjà la toute première fois qu'on était venu ici. Aïe 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 aïe. Je crois que le dernier épisode, j'avais dit que je regrette limite d'avoir lancé. J'avoue que ça m'a un peu hype. J'avoue que ça m'a un peu hype en fait, les nouveautés et tout ça. Et j'ai eu l'envie de... Du coup, en fait, j'avais... En fait, à la base, comme j'avais expliqué au premier épisode, qu'on avait, en théorie, une tour à fixer, ça m'avait hypé, en fait, de finir vite la tour et après de pouvoir aller farmer et de vous montrer tout plein de plats et tout ça. Donc, c'est pour ça que je voulais vite en finir. Après, au final, on a vu que, bon, du coup, il n'y a pas de tour ici, apparemment. Il n'y a pas de tour. Il y a juste une cache à trouver. Donc, déjà, toute cette aventure, bon, on n'a pas besoin de la faire. Et maintenant, il y a plein de bugs partout. Donc, je crois que le mec, il est en bas. Non, il est en contrebas. Non. Ouais, il est là. Non, c'est une carcasse. Ça. Cadavre gelé. Il est où, le cadavre gelé? Tu veux me dire qu'il est en haut? Je crois qu'il est en haut. Par contre, un truc, un problème qu'on va avoir, c'est la hachette. On n'a pas de hachette. Donc si jamais on est bloqué et qu'il nous faut une hachette pour détruire certaines parties du décor, on ne pourra pas le faire. J'ai pensé à ça. Ça va être un vrai problème.
C'est quoi ce bruit? C'est quoi cette neige? Mais on dirait que je marche sur un truc collant. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est super fort en plus. Ah c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Bon, on peut retourner dans la grotte pour se réchauffer. On dirait genre... Vous avez déjà eu un carrelage? Genre vous faites tomber du Coca-Cola ou des trucs bien... bien sucrés. Et genre, vous le nettoyez pas. J'entends l'ours. Et après, vous marchez dessus. Ben, ça faisait exactement le même bruit. L'ours est toujours bugué. Hein. Enfin, bon, moi, ça me met... ça me met une indication sonore, en fait, où est la grotte. Ça me met une indication sonore sur où est la grotte, c'est cool. Dormir une heure. Juste pour se réchauffer et tout ça. J'essaye de rester le plus en forme possible pour qu'on... Si jamais on a une aurore boréale, on la fasse. Ah, il y a une tempête. Putain, je suis chiant. On a une tempête. Ah, c'est bien de dormir avec le gros patapouf derrière là qui est entre la vie et la mort. C'est vraiment bien. Là par contre, si la tempête s'est déjà arrêtée, on a peut-être une chance d'avoir une aurore boréale. Non, on n'a rien. Bon, on va se balader. Oui, ça fait un repère audio, hein, en tout cas, ça c'est sûr. Hein. T'inquiète pas que tu l'entends bien, le machin. On va essayer de récupérer le plus d'objets possible, c'est-à-dire genre champignons, baies, les glands, etc. Il nous faut du bois aussi. C'est quoi ça? Ok, c'est ça.
Il nous faut du bois, il nous faut des choses. Donc on va essayer de récupérer le plus d'objets comme ça possible. Putain, on l'entend encore, mon chien. Je vais être honnête, je connais pas vraiment trop cet endroit. Il y a certains endroits que je vais reconnaître, si genre je me rappelle plus ou moins s'il y a une grotte et tout ça. Ça oui, mais après le connaître par cœur c'est pas vraiment mon truc. On va pas prendre de massette parce qu'on peut faire des trous ici. Trous, pêche à glace placée, ok, je peux pas. Il faut de la glace convenable pour créer un trou, ok, ça c'est pas de la glace convenable j'imagine. On va pas prendre de massette parce qu'on en a déjà une trentaine. Et puis du coup on a de la viande sur nous donc... très intéressant. Ce qu'on devrait faire c'est essayer de trouver des nouveaux oiseaux aussi. Comme ça on peut récupérer plus de plumes et de des trucs. On est à 3 sur 3 avec la viande à cause des carcasses d'oiseaux donc du coup tous les loups vont nous flairer hein, très très vite, on va faire que les tuer les uns après les autres, ça va être bien. C'était pas l'endroit où on avait trouvé notre couteau. Là-bas. Si vous vous rappelez. On va y aller, on va la marquer sur la carte. On va marquer ça sur la carte. Genre là, est-ce qu'on peut pêcher? Genre là par exemple. Ouais, donc en gros c'est que sur le lac. J'ai même peur que ça soit que sur les lacs en fait avec des trous de pêche déjà, avec des cabanes de pêche en fait. Qui sont déjà mis. Ce serait un peu bête s'ils font ça. Ouais, je crois que c'était ici. Là, on revient vraiment à nos origines. Là. Je crois que c'était ici qu'on avait récupéré le couteau, peut-être, potentiellement. Ah, mais attendez, je l'ai dessiné, mais il fait trop nuit, là. Ah, quoique. Eh hey. Pas mal. C'est bizarre parce que j'aurais pas du coup j'aurais pas pris les baies. Je suis quasiment sûr qu'elles sont réapparues. Parce que ça m'aurait étonné. Je trouve ça un peu étrange, genre je serais passé sans prendre les baies. Un peu bizarre. Vous savez quoi? On va peut-être se mettre dans la grotte. Passer un peu le temps. Histoire de... Ah oh, putain. Qu'est-ce que c'est handicapant? Histoire de... Bah, de dormir un peu pour voir si on peut pas avoir une aurore boréale encore une fois. Parce que là, en fait, on cherche ça. On cherche absolument ça. Après, si ça prend trop de temps, je vais être franc, je risque de zapper un peu les épisodes pour éviter de perdre trop de temps. En fait. Parce qu'on va pas faire 150 épisodes ici s'il n'y a pas d'aurore boréale. Ouais, dormir. Parce que le but principal, c'est de faire ça. Hein. Donc ça m'embêterait qu'il n'y en ait vraiment pas du tout pendant très très longtemps. Rien du tout.
On va devoir faire de l'eau bientôt. Il fait bien bien nuit là-bas. Rien du tout. Je prends la radio dans la main parce que des fois on ne voit pas si c'est une aurore boréale ou pas. Genre si elle va... Vous savez, si elle va arriver. Vous avez l'électricité en fait qui se déclenche avant de la voir visuellement. L'aurore boréale. Donc c'est pour ça que je prends la radio dans la main. On est en pleine forme. Non, rien du tout. On n'a rien eu cette nuit-là. Mauvais temps. Bon bah du coup les oiseaux sont très utiles hein, pour passer le temps. Vu qu'on peut plus rien transformer parce que je voudrais faire des plats. Oh. Bon, là c'est mort. C'est mort. Okay. On va utiliser surtout les massettes, parce qu'ici on en a beaucoup des massettes. Donc à la limite. Ok, on a 16 duvets, donc ça c'est vraiment bien. Ça va nous permettre de faire. Genre je sais qu'on peut faire le duvet par exemple, le duvet amélioré. Non là, 16 sur 10. Et c'est surtout le vêtement. Ah oui, c'est vrai que le vêtement il a ça. Ah, mais on peut le faire. Ah, on peut le faire à la main. Ok, ok. Je sais pas si ça vaut le coup de le faire à la main, parce qu'on a déjà ça, ça fait 0,25. En fait, on va se rajouter du poids pour rien. Attends. 4 de tissu et 5 de duvet. Je sais pas. Ouais, je pense pas qu'on va se rajouter du poids, en fait, à le faire, mais bon. On n'en a pas vraiment l'utilité maintenant. Là, on a la corde. On va un peu courir hein, de temps en temps pour aller un peu plus vite. Ah, je crois qu'on peut passer par là. Je crois que ça c'est une grotte de glace. Mais je crois que celle-là, il faut passer par l'eau. Ouais. Ouais, on va pas le faire. Parce que sinon, on va se mouiller. Alors après, techniquement, on peut enlever tout notre équipement. Pour éviter de le mouiller. Par contre, j'avoue qu'il fait froid. Sinon, on va revenir en arrière et on va monter le bois là. Did I say I hate being cold? Because I really do. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Ah, on peut peut-être monter. Peut-être là.
Bon bah à la limite on passe par là. Ok, on a un ours là-bas, on a un cadavre. On va aller voir si c'est un cadavre ou une carcasse. Ah ok, c'est de l'autre côté. Il y a du bois juste à côté, donc j'imagine que je l'ai jamais pris. Comme ça. Faire attention à l'ours, qu'on s'approche pas trop. On va pas trop tenter juste pour des champignons. Hein. Par contre, je veux bien savoir par où il est parti. En fait. Parce que du coup, il y a potentiellement une grotte. Et on pourrait peut-être s'abriter. Ah, il est nouveau. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est là. Oh maman. Non mais ils ont pété un câble. Hein. J'utilise quoi? Je vais voir, attends, si je fais ça. Il vous faut un couteau, une hachette ou un pied de biche. Okay. 92%. Mon dieu, comment c'est lent. Oh, ils sont fous. Ils ont complètement pété un câble. Ils sont complètement cinglés. D'avoir mis autant de temps. Je suis désolé, mais... En plus, ce qui est fou, c'est que tout a toujours le même temps. Donc là, du coup, à avoir ça... qui est super lent, c'est trop bizarre. On trouve un endroit pour se... pour s'abriter du froid, parce que je veux pas avoir de gelure. Ok, on a des lapins. On va attendre qu'il vienne, qu'il aille sur les lapins. Non? Ouais, c'est bon. Pierre qui vole. Ok, très bien. Faire attention parce que s'il faut, l'ours vient d'ici en fait. Donc j'ai un peu peur de ça. Vous vous rappelez le dernier épisode? Est-ce qu'il a tout mangé ou il y a quelque chose à récupérer? This will come in handy.
D'accord, ok. Je crois que... Non, il n'y a plus rien, il a disparu. Est-ce qu'il fait assez de jour pour... Il m'étonnerait. Oui, on peut. On peut. Du coup... Attendez. Si jamais je trouve pas d'endroit, on retourne à la grotte. Mais je voudrais... Là-bas, on a des glands. Je voudrais parcourir le plus de chemin possible, en fait. C'est quoi ce que j'entends? Serre. Là-bas. Ok, c'est pas mal là. Ok, on a des bois. Ok, cool. Est-ce que c'est une grotte où on peut explorer ou pas? Non. Non. Ça marche. Au moins on tremblera pas. Vide, ok, on l'a déjà fouillé, ça marche. Allez, ramène-toi, au moins on tremble pas. Parfait, merci, il me fallait de la viande. Alors on va faire un feu. Ah, attendez, le feu, là. Parfait, c'est pas mal ça, c'est pas mal là. C'est bien, très bien. Bon par contre je vais pas faire la même connerie que la dernière fois. Genre dormir trop à l'extérieur. En fait j'avais envie de dormir et pas me prendre le mal de l'enfermement. Et en gros c'est ce qui s'est passé. On va utiliser ça. Voilà, très bien. Voilà, très bien. On déploie notre camp. L'arc à la main. Ok, ça marche. Pas mal. Elle met du temps à retirer l'arc de ses mains. Je voudrais faire du coup des flèches en bois. Ah tiens, on peut préparer aussi ça. 15 minutes. On peut la manger directement ou s'en servir pour préparer une tisane. Attends, qu'est-ce que j'entends ? Ça met... Ça m'étonnerait que ça soit un endroit d'ours. Hein. Ouais, non. Non, je pense qu'on est, tranquille. On peut camper ici si on veut. Il n'y a pas de problème.
Non, oh, putain, j'ai failli marcher dans le feu, je regardais pas, désolé. C'est 5 ou 3? Non, c'est 3. Hein. Ok, plus de plumes de corbeau. Attendez, on va garder toujours l'arc à la main. Nickel. Bon bah du coup je suis un peu désolé mais... Ouais, c'est pas... C'est pas grand chose. Après on fait une aventure mais... J'avoue que... Du coup de pas avoir d'aurore boréale ça me... m'embête un peu. Alors fais voir un peu avec les racines là, ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on les prépare ou pas les racines? Alors, on peut faire ça. Donc... Une racine égale une bardane préparée. Ok. Alors la bardane, ça sert à quoi? Alors on peut en faire un thé, ce qu'ils disent. On peut en faire une, de toute façon, on peut en crafter une et voir ce que ça fait. C'est nettoyé et découpé, on peut la manger directement, s'en servir pour préparer une tisane antibiotique naturelle. Donc fais voir un peu le poids que ça fait. Donc 0,45. Donc du coup, parce que je suis très très mauvais en maths. Ah non, je suis bon en maths, mais je suis fatigué. 15. Ok, 38, c'est bien. Donc on va en préparer une. Ok, maintenant, elle est là, normalement. Ou pas, non, dans le médical. Ouais, dans le médical. Donc 0,15, pareil. Ok, c'est lourd, hein. Méga lourd. 19 minutes. On peut voir, est-ce qu'il y a du... Est-ce qu'il y a des racines là? Non. Non, je peux... alors peut-être qu'après il y a des recettes pardon, uniques avec ça, mais pour le moment on n'a rien avec. Okay. Pour le moment on n'a rien du tout. Donc ça va. On entend des loups très loin, ça va. Ça, ça a été corrigé aussi, je crois. Où des fois, on n'entendait pas, en fait, le bruit. Ben ça, ça a été corrigé maintenant. Donc c'était bien encore un bug, évidemment. Vous savez, ça, je l'ai dit plusieurs fois à chaque fois qu'on allait scier quelque chose. Là. Ah, un truc qu'on peut faire, c'est prendre un steak de ça, là. Quelle heure exactement? À peu près midi. Ah, on a des cerfs ici. Ok, cool. On peut camper là. Encore une fois, on n'a pas tapé dans les réserves. On n'a pas tapé dans les réserves de macettes, de glands et tout ça. Donc on a énormément, énormément de calories encore. Donc il n'y a pas vraiment de problème de ce côté-là. On a pas... Attends, elle est où la grotte? Elle est là. Non, non, elle est à gauche. On a des lapins aussi.
Ça, je pense que la corde, c'est pour sûrement... Ah, mais attendez, on n'était pas là, cet endroit, nous? C'est pas la hauteur, ça, où on était? Vous savez, à un moment, quand on était venu là, j'ai fait le... Quand vous sortez de la grotte, en fait, quand vous arrivez la première fois dans cette zone, vous allez sur le... ou tout droit, ou alors vous allez sur la gauche. Nous, on est allé tout droit. Et je crois que, du coup, c'est ce côté-là. Je crois qu'on a fait le tour. On va regarder après. C'est potentiellement ça. Ah, c'est ça le nouveau truc. Donc une tisane de racine de bardane, pardon. C'est un antibiotique naturel. Un antibiotique. Ça, c'est un analgésique. Ça aussi, c'est antibiotique, non? Non, 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 ça. Semblable aux antibiotiques. Donc du coup, on a deux antibiotiques. À la limite, ça, c'est plus lourd. Ouais, bof. Je sais pas. Ah, vous avez vu que ça, j'avais pas vu aussi. Il montre maintenant. On n'a plus besoin de revenir en arrière, de regarder le feu et tout ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ça, c'est extrêmement bien. Fais voir l'eau, si ça a changé. L'eau, bah, par contre, non. Ah, si, si, feu restant. Je crois pas qu'il le montrait, ça, hein, avant. À moins que j'ai jamais fait attention, c'est étonnant. Ouais, bah je sais pas en fait à quoi ça sert vraiment, la tisane de bardane. Je vois pas vraiment l'intérêt de la tisane, parce qu'il y a déjà les reishi. Ouais, j'en sais rien. Je sais pas, on en fait un pour le kiff. Mais en théorie, ça fait exactement pareil. Un thé de reishi donne un coup de fouet au système immunitaire et possède des propriétés semblables aux antibiotiques. Une tisane de racine de bardane, c'est un antibiotique naturel. C'est exactement la même chose. Ouais. Donc je pense que ça sera potentiellement utile dans des recettes, je dirais. Je dirais recettes. Donc on peut la garder de côté. Aussi maintenant ça, là, les conserves recyclées, ça va devenir de moins en moins utile, limite pas utile. Pourquoi? Parce que on a ça en fait. Ça on peut le faire dans les faitous, ça on peut le faire dans la poêle. Donc le faitout, ça peut être utile. Bon après ce qu'il faut faire à chaque fois c'est des bouillons. Donc il faut de l'avoine, de la rivière, donc il faudrait faire en fait une dose de bouillon, genre plein de bouillon. Après on les prend avec nous, et si jamais on veut transformer les bouillons en quelque chose d'autre, on peut faire ça par exemple, faire du gypse. Ouais mais non, mais après. Ouais après ça nous force en fait à avoir de la farine tout le temps. Ça fait repos amélioré, fatigue. Ça nous fatigue en fait. En fait, c'est vous mangez ça avant de dormir quoi. Je sais pas si ça vaut le coup. Hein. Honnêtement, je sais pas du tout si ça vaut le coup de faire ça. Après, c'est genre là pour 0,30, vous avez 1125, bah c'est comme un gibier normal en fait. Non, 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 le gibier normal c'est 1000, je crois. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est un peu plus. Je sais pas quoi en penser en fait des choses au faitout, honnêtement. Je sais pas vraiment quoi en penser. Honnêtement, on n'en a pas besoin du tout. On n'a vraiment pas besoin. Mais j'imagine que si jamais je voudrais vraiment les utiliser, ce qu'on pourrait faire, c'est des bouillons. C'est faire beaucoup de bouillons. Et après, transformer les bouillons à chaque fois. Et ça nous fait des choses avec des buffs. Ouais. Donc, repos amélioré. Donc, du coup, repos amélioré, c'est genre la tisane. Et ça, ça veut dire qu'on régène plus. On régène deux fois plus pendant 4 ou 6 heures, je crois bien. Donc, ça, c'est intéressant, honnêtement. Régène de la vie, hein, je parle. Quand je dis régène, c'est la vie. Donc, ça, c'est bien. Après, ça a l'air de nous fatiguer, en fait. Donc, c'est vraiment un truc à manger avant de dormir, je dirais.
Donc, est-ce que ça vaut le coup vraiment de se faire autant chier juste pour régénérer plus? Après, j'ai envie de dire, la tisane, c'est rare, surtout pour nous. La tisane, c'est rare. Là, ça serait plus simple à la faire. Ça serait pas renouvelable non plus, parce qu'on a besoin de... Je vais beaucoup parler de choses comme ça pour le moment, parce que c'est nouveau et tout, donc on va vraiment en parler souvent. Après, dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais moi, j'essaye d'optimiser au maximum. La farine du vieux moulin, c'est 0,05, donc c'est pas beaucoup, donc on peut prendre peut-être un petit paquet. Mais ouais, ça nous fait porter beaucoup de choses, en fait. C'est ça que j'ai en tête, pour moi. C'est ça. Dans ma tête, le problème, c'est que c'est ça. Ça nous fait porter énormément de différentes choses pour très, très peu de résultats. Pour ce qui est des recettes au fait-tout. Donc, c'est pas extrêmement utile. Après, les plats, ça, c'est autre chose. Ça, c'est intéressant. Ça fait des gros bœufs, en fait. Ça fait des très gros bœufs. Mais bon, ça, c'est plutôt des choses que vous voulez pas... vous voulez tout simplement pas... genre faire sur le... à l'endroit, en fait, où vous allez. Vous voulez les faire en avance, en fait. En gros. Enfin bref, c'est un peu étrange. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a combien de torches sur nous? 2, 3. On va dormir un peu et on va, je crois, peut-être repartir en course, en marche. Je voudrais des torches par contre. C'est un peu de la merde. Ok. Ok. Je veux faire des torches parce que si jamais on doit prendre une grotte, évidemment. Toujours être prêt, et vu qu'on n'a pas de lampe, ça c'est encore une erreur de ma part. Enfin, et encore, c'est le jeu qui m'a induit en erreur. On peut peut-être rester à la limite ici jusqu'à ce qu'on se réveille. Jusqu'à ce qu'il fasse nuit, pardon. On va voir. Mais je crois que je suis pas assez fatigué. Pas vraiment. Mais... j'aurais dû peut-être alimenter le feu. J'aurais dû peut-être alimenter le feu et garder le feu. Je sais pas. C'est pas très grave. Non. Alors... du coup, est-ce qu'on fait l'objet ou pas? Moi, je dis pourquoi pas. À la limite, on peut le faire. Je pense pas qu'on va y perdre au poids. Je pense pas. On va voir. Faudrait calculer, mais... on est à 39,71. On gagne de l'expérience ou pas? T'es sérieux, on gagne un peu d'expérience. 39,71, 39,50. Non, on a même gagné du poids en fait. Et après, on fait ça. Tada! Est-ce qu'on le voit sous les vêtements ou pas? Non, on le voit pas sous les vêtements. Ah, ça c'est con, ça. Ils ont même pas pris le. Ils ont même pas voulu prendre un moment pour modéliser ça. C'est ouf. Oh, bref, c'est pas grave.
Ils n'ont pas changé l'icône, ils n'ont pas modélisé ça sur le personnage. Et après, ils te mettent 3 plombes à te sortir une update quand même. J'ai pas envie de dire que je suis déçu, mais je suis... Ah putain, mais j'ai ça à manger. Je suis pas impressionné en tout cas. Ça, je peux le dire, je le suis pas. Je suis pas du tout impressionné. Par contre, c'est vachement bien pour notre température. C'est vachement bien. Il y a un truc qu'on peut faire, si je dis pas de conneries... Ouais, on pourrait en mettre un deuxième. Du coup, ça serait débile parce qu'on perdrait les 5 kilos hein, du sac. Mais si vraiment on veut avoir très chaud, je pense qu'on peut en crafter un deuxième. Et le mettre... Attends, on peut tester maintenant. Je vais voir si je l'enlève. Je peux le mettre là ou pas? On peut le mettre là aussi, ok. On peut le mettre. Donc ça veut dire qu'on peut en mettre 2. Donc ça ferait 4 degrés. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, surtout que du coup on peut le crafter partout. C'est pas très compliqué à crafter. Oui, on était là-haut. C'est pas très compliqué à crafter. Ouais, vraiment, vraiment puissant. Vraiment très, très, très puissant comme objet. Très content. Ça pèse pas lourd non plus. Ça c'est un... On pourrait se faire un équipement. Comme j'ai dit, si jamais on pouvait avoir des sets pour éviter de se prendre la tête à changer de vêtements. Ça pourrait être vraiment très très bon. Si on veut vraiment un full, genre une grosse défense contre le froid et c'est tout. Genre pas plus de transport et tout ça. On pourrait faire des trucs très très intéressants. Après on pourrait faire des vêtements un peu plus légers pour avoir un peu plus d'endurance et tout ça. Ça aussi ça pourrait être très intéressant. Alors, on pourrait faire pas mal de différentes choses. C'est juste que c'est un peu embêtant de changer en fait. C'est une des grottes lumineuses. Vous savez, là, toutes les baies là qu'on trouve à côté des grottes alors que je les ai visitées. Alors, celle-là, je sais pas si je l'ai visitée, hein, je vais être honnête. Je m'en rappelle plus. Mais l'autre, on avait clairement visité le cadavre qui était à l'intérieur et il y avait des baies à côté. Je suis en train de me demander si les baies réapparaissent pas. En théorie, non, hein. En théorie, c'est pas possible, hein. En théorie, c'est impossible que les baies réapparaissent. Je suis pas fou, quand même. Bon, celle-là, on n'y est jamais allé. Par contre, c'est bien parce que je trouve pas l'endroit pour partir. Ok, c'est là. Qu'est-ce qu'on fait? On va visiter? Ou pas? On va un peu visiter. On va peut-être un peu courir. Là. Et donne-moi un truc intéressant. Oh, oh merci. Oh, on est un peu lourd. Faut avancer vite parce qu'on est limité en lumière.
Il y a aussi une chose, la dernière fois j'avais beaucoup baissé la musique. Je pense que c'est une bonne chose, parce que des fois la musique en fait vous alerte énormément sur beaucoup de choses, genre si on est... Alors ne le faites pas ça si vous n'êtes pas à l'aise avec le jeu encore, mais... Genre si on est coursé par un loup et tout ça, le jeu avec la musique en fait va vous prévenir. Et j'avoue que ça rend beaucoup de choses très simples. Et puis bon, les musiques on les connaît au bout d'un moment. Donc je pense que je vais les laisser aussi basses que ça, là, ce qu'on entend maintenant. Parce que des fois elles sont très fortes. Il y a certaines musiques en fait qui sont très très, très fortes. Ok, une torche toute neuve. Enfin, je pense, j'ai pas eu le temps de voir. Je l'ai directement prise. Je prends un peu tout, je suis un peu lourd, mais. Ok, on est dans la grotte principale. Il y a une corde. Je vais pas pouvoir. Pas mal, je sais pas où je vais me retrouver. Vous savez que ça, je l'aurais jamais trouvé de moi-même, le fait qu'on puisse monter une corde avec la torche. Parce que dans ma tête, pour moi, il y a zéro logique de pouvoir monter... Là, on peut sortir. Une corde avec une torche, ça a zéro sens. Je l'aurais jamais fait de moi-même. C'est vous, en fait, les gens qui regardent, qui m'ont dit « Mais on peut monter et descendre avec une corde, pourquoi à chaque fois tu te fais chier à la balancer et tout ça ?» Bah ouais, j'avoue que c'est un truc que j'ai jamais testé. Et pour moi, désolé, je suis pas né avec trois bras, voilà. Donc je vois pas trop comment elle arrive à porter la torche en plus de monter et d'escalader. Pour moi, ça n'a pas trop de sens. Let's go, on est bon. Faut trouver le signal du coup. C'est un peu la merde. Oh putain, il me fait peur, c'est quoi? Attends, il va falloir qu'on règle notre poids là. Et il fait froid aussi. J'ai envie de dormir une heure pour qu'on se repose en fait. On va aussi dormir une heure. On va. Une heure, putain, ça va être vraiment léger. Est-ce qu'on est fatigué maintenant? Ah, ok. Oh, attends. C'est vrai que je peux pas passer où je veux, le machin. Non. Ça. Oh là là, on est pressé par le temps. Deux heures. Une heure. Ok.
l'épisode va durer longtemps. Ok, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, c'est parti. Je sais pas exactement où on est non plus. Ok. Un peu moins froid aussi. Alors, il est où l'autre idiot hein? Oh. Okay, on a un jaune. Là-bas, je peux monter. Non. Faut que je monte. Putain, t'es sérieux là? Ça doit être ligne droite comme ça. Je regarde si le bleu capte quelque chose. Non. Pas qu'on s'épuise non plus. Après j'avoue que je voudrais bien trouver le bunker plutôt que... Enfin si c'est un bunker, je voudrais bien trouver le truc spécial plutôt que la cache. Mais... On a froid? Non ça va. Ça va, c'est très bien. Ok, 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 on est bon. Bah, l'épisode va être un peu long, désolé. Le bleu, pour le moment, a rien. On a plein de baies à récupérer, on verra ça plus tard. Lac du monolithe. Je suis quasiment certain qu'on était déjà passé par là. Mais... Je vais rien dire. Donc, là. Là. J'imagine qu'on n'a pas vraiment besoin de la direction parce que là en fait la lumière clignote pour m'indiquer qu'on a trouvé un signal. Ah. Mais on doit être pas loin. Go. Pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. En plus c'est une caisse rouge, c'est outil de qualité ça, c'est bien. Et un truc pour aiguiser. Très très bien. Extrêmement bon. Je vois pas par où aller en fait. Là on a strictement rien. On va continuer sur notre droite là. Faudrait qu'on se réchauffe par contre. Je serais pas contre trouver un endroit. Je vais à un endroit là ou pas? Ou je vais nulle part? On va devoir faire une pause pour se réchauffer, je crois.
voudrais bien être dans une grotte en fait. Yes. Ok, très bien, fais voir un peu. Ça marche. Je pense qu'il faudrait qu'on retourne vers ici en fait, parce que nous on a fait ça. Donc faudrait faire ligne droite là. Alors ce qu'on peut faire c'est manger, se réchauffer. Je voudrais bien manger là, ça, comme ça on sent plus la barbac, c'est déjà ça. Très bien. On va dormir une heure, histoire de bien se réchauffer. Eh merde, je voulais faire ramasser. Yes, comment perdre du temps de l'aurore boréale, bien joué. Attends, si nous on est là, ah, il faudrait descendre. La corde, elle mène où? Faut que je dessine la corde. Extrêmement froid. C'est extrêmement froid et on est extrêmement haut. Alors ça, si c'est pas un gros problème. Je sens qu'on va avoir des problèmes. Non, ça va, ça va, ça va. On va gérer, on va gérer. Gérer. Oh,
on est bon. On est nickel. Okay, faut qu'on se réchauffe. Ok, parfait. Ok, ok, ok. Ouf! Alors là, je suis en train de... d'aller là. Donc si je rentre, je... faut que je passe la rivière, en fait. Et ça marche. Qu'on aille se réchauffer. Ah, parfait. Ouh. J'avoue qu'on a eu chaud. J'avoue qu'on a eu chaud. Ok, très bien. Donc ça, c'est du sport détruit, c'est pas vraiment important. Ça, on le garde. Ça, on va le manger. Pied gauche, très bien. Hop, on va dormir une petite heure. Au pire, on fera ça en deux épisodes.